Aprilia RSV4 avait déjà fait des étincelles en arrivant sur le marché français en 2009. Une taille de guêpe, une silhouette extrêmement rassée, le tout combiné à une partie cycle redoutable et un 4 cylindres en V efficace et démonstratif. La version 2015, ici à l'essai sur le circuit de Misano, dans sa déclinaison RF, ne change pas fondamentalement. Mais les quelques chevaux supplémentaires, le poids en moins et le travail effectué sur la finesse de l'électronique dévoilent une moto complètement dingue à piloter et surtout accessible au grand public grâce à ses nombreuses aides au pilotage. Si on avait dit il y a quelques années à des pilotes comme Agostini qu'ils pourraient régler leurs settings moteurs avec leur téléphone, ils nous auraient franchement ri au nez. Pourtant, c'est bien ce que propose aujourd'hui Aprilia. Grâce à un module GPS disponible en option à 400€ et qui fonctionne via une application gratuite, le pilote peut fixer son smartphone au niveau du tableau de bord et modifier tous les réglages de la moto. L'ergonomie et l'interface sont hallucinantes car on y trouve tous les circuits mondiaux, seulement Nevermanie court en France, représentés fidèlement virage par virage. On peut alors définir ses propres réglages sur chaque partie du circuit. Mode de puissance, traction control sur 8 positions, anti-wheeling ou encore intervention de l'ABS sur 3 modes. Le module GPS enregistre même votre style de pilotage et peut vous conseiller sur les réglages les plus appropriés pour améliorer vos temps. Une vraie sportive connectée en quelque sorte. Si l'ensemble prend 1,5 kg sur la balance, son moteur a été profondément revu et gagne 16 chevaux, soit 201 chevaux au total. Plus compact en largeur, il a été placé au plus bas du cadre grâce aux réglages d'origine qui le permettent, abaissant ainsi son centre de gravité. Bon, pour parler de sa nouvelle RSV4, déjà il faut reprendre son souffle parce que c'est une moto qui demande un petit peu de physique. Bien qu'elle fasse 201 chevaux, bon, ça reste quand même une moto facile grâce à toute cette électronique qui permet de rouler en toute sécurité, mais faut penser à avoir été à la salle de sport avant. Il n'y a pas énormément de changements pour 2015 puisque le châssis reste le même. Mais alors là, la moto, elle a gagné en virilité. On a encore plus de puissance. On a un moteur qui a déjà beaucoup de couple à partir de 2000 tours minute. Et là, quand on ouvre la poignée jusqu'à 13 000 tours minute, c'est impressionnant, ça tire sur les bras. C'est une moto qui envoie vraiment du lourd. On a l'impression d'être sur une moto de superbike. Côté boîte, c'est extrêmement bien puisqu'on a déjà un shifter qui permet de passer les rapports à la volée. Et donc, ça économise du temps, de l'énergie. En revanche, sur des grandes courbes rapides, la RSV4 peut avoir tendance à gigoter un peu, même si sa stabilité reste encore un cran au-dessus de plusieurs 1000 cm3. Si le freinage reste toujours très efficace, même avec l'ABS, c'est surtout le traction control qui fait des merveilles, car il se montre à la fois discret, peu intrusif et très efficace pour contenir la fougue des 201 chevaux. On a des Pirelli Diablo Super Corsa qui tiennent extrêmement bien le pavé. Voilà, la moto est très agile. Par rapport à l'ancien modèle, le train avant est toujours ultra précis. Ça permet de placer la moto en virage au doigt et à l'œil. On peut même se permettre des dépassements dans un mouchoir de poche. Voilà, c'est une vraie compétitive cette moto. La tenue de route, le grip sont juste fabuleux. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon pied comme ça avec une moto de 1000 cm3. En combinant un châssis de pistarde, un moteur qui envoie du lourd et des assistances électroniques paramétrables dans tous les sens, Aprilia a créé une arme aussi bien pour les compétiteurs que pour les motards qui souhaitent se perfectionner à la piste sans s'envoyer en l'air.